Hello, jumpa lagi sama Uda Bule. Hari ini Uda akan membuat vlog tentang tempat wisata di Bukit Tinggi, tapi hari ini dalam bahasa Perancis. Jadi, Uda akan mulai dari Bukit Api. Kenapa dalam bahasa Perancis? Karena Uda mau promosikan Sumatera Barat ke orang Perancis. Ici, on a la vue du canyon, du Siano Canyon, depuis Bukit Api, le village de Bukit Api. Janjang Saribo, qui veut dire les mille marches, ce sont les marches qui sont juste derrière moi. Il y a longtemps, les habitants de Bukit Api ont construit ces marches pour pouvoir accéder à l'eau qu'il y a au fond du canyon. Si vous demandez aux personnes combien de marches il y a ici, la personne qui peut vraiment vous répondre. Donc on a décidé de descendre toutes les marches jusqu'au canyon, tout en les comptant. On a déjà une vue sur le canyon à partir d'ici. Et par contre, il faut faire attention parce que c'est super raide. Donc on va continuer juste en bas. Jusqu'à maintenant, ça fait 150 marches. Pas beaucoup, mais il y a encore beaucoup à descendre. Il y a des endroits assez resserrés, il y en a même très raides. Donc on continue. Tout ce qu'on peut voir ici, à la base, c'était des lumières. Mais bon, comme ils ne sont pas très responsables, il n'y a plus rien. Ça pourrait être super joli la nuit, mais au final, ça n'est pas. Ici, on en est à 300 marches. 300, et ça continue encore. On n'est pas trop loin du canyon maintenant. Menangkap kumbang. Ini untuk ikan. Nah, untuk pelihara. Kon dia. Qu'est-ce que c'est ça? You know what is it? Kumbang. Kumbang dalam bahasa. Tahu. 700 ke atas. 700. 700 ke atas. Jadi 700 marches jusqu'en haut apparemment. Ça fait 390, j'en ai compté. Alors plus ou moins 400 avec celles que j'ai oubliées ou peut-être compter trop ou compte moins. Il me dit 700, les garçons là-bas, j'en suis à 390. Voilà.
Astaghfirullah lazim. Alors, toujours dans le canyon, approximativement les données, ça serait 100 mètres de hauteur, 200 mètres de large, 15 km de long. 15 km depuis Kotogadan jusqu'à Paloupou. Et là, c'est ici qu'on a commencé notre descente. En continuant par ici, on va arriver à Kotogadan. On va encore escalader des marches. Ils appellent ça « The Great Wall of Kotogadan ». Et ils aiment bien dire aussi que c'est la version miniature de la muraille de Chine. Là, vous pouvez voir les rizières. Elles ont été récemment plantées. Comme vous pouvez le voir, le chemin est très étroit. Voilà. Les gens qui habitent ici passent principalement en moto. Pas le choix. Deux amoureux là-bas. Et le chemin. Alors ici, vous pouvez voir une maison traditionnelle minang qui a été rénovée bien sûr, mais dans le temps elles étaient faites de cette façon. Donc vous voyez les cornes qui représentent les cornes du buffalo, du buffle en français, et c'est vraiment typique minang quoi. Voilà, on continue donc sur un petit chemin tout sympa, typique Minang encore. On va arriver aux prochaines marches, la petite muraille d'Indonésie. Salut toi. Voilà. On arrive à l'entrée du Great Wall of Kotogadan. Voilà. Ouais, on va devoir passer ce petit pont. Pas très rassurant. C'est vraiment en bois. T'es bien, regardez. On peut voir les singes déjà. Les singes de Sumatra Ouest. J'essaie de les faire venir avec des cacahuètes grillées. Les singes au panorama à Bukit Tinggi, ils adorent ça. Ils adorent ça, mais ceux-là, ils ont un peu peur apparemment. Yep, il est là. Okay, look. Look. La tongue, là. Ah. Try to get on your hand. You try to be closer. Oh.
peur comme ça. Continuer dans ces escaliers, on va aller jusqu'à Kotogadan. Parti. On continue. Déjà pas mal essoufflé. Voilà. The Great Wall of Indonesia. On continue. Ça monte. Hein? Just half. Just half. La moitié apparemment. Là, là, un petit point pour prendre des photos. Et totalement là-bas, c'est Bukit Tinggi. On the top of the hill. Okay. Ici, c'est plutôt sombre. On continue. Là. Ok, on est arrivé. Ouh. Là, super. L'ammoniette dessinée. Les singes encore. On peut voir là. Voilà, après 300-400 mètres, on est arrivé à la ville de Kotogadan. Donc, c'est resté très traditionnel. Ça n'a vraiment pas bougé, ça a très peu évolué. Ils sont retirés des grandes villes, comme celle-ci. Voilà. Donc, alors... Elle est super belle cette maison en bleu là. Hello. On va faire orage. Hello. Ya, bisa. Bisa bahasa Minang, sekete. Ali. Voilà. Arrivé à la mosquée de Kotogadan. Ça, c'est que des rizières encore. Là-bas, c'est la montagne Singalang. Voilà.
Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On va rentrer parce qu'il va pleuvoir. On vous a montré Kotogadang, on vous a montré les mille marches, on va vous montrer le canyon. On continue la prochaine fois pour un nouveau vlog et pour vous montrer un peu plus du pays Minang. Voilà. Ok, sudah selesai untuk hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya untuk promosikan Ranah Minang. Sampai jumpa.